Je suis pas content. Pourquoi ? Bah parce que non, je pensais pas à une réponse comme ça, Ruben. Ah, tu... Bah, je... Quel produit pas cachère tu aimerais voir figurer sur la liste du consistoire ? Les bonbons Haribo, les petits schtroumpfs bleus, là. Ah, le caprice des dieux. C'est le seul fromage que j'aime, il est pas cachère. Haribo Dragibus, hein, la vérité. Les chips au vinaigre Lay's. M&M's. M quoi ? M&M's. M&M's. Ferrero Rocher. C'est toujours un truc qui m'a donné de ouf envie. J'étais sûre que c'était cachère, mais que c'était sur la liste, quoi. Mais en fait, pas du tout. Les carambars, je pense que ça serait pas mal. Fruité ou caramel ? Fruité. Et Kinder Bueno White. Et chocolat blond white aussi. En gros, tout ce qui fait grossir, quoi. Voilà. Les sneakers. Les sneakers ? C'est trop bon. Mais c'est mignon. Le homard. Le crabe. Ouais ? Ouais. Je suis pas content. Pourquoi ? Bah, parce que non, je pensais pas à une réponse comme ça, Ruben. Ah, tu. Bah, je. J'ai très faim, je crois que je vais vous le manger, votre micro. Est-ce que tu pourrais me réciter l'alphabet hébraïque ? J'ai fait 15 ans d'école juive, je suis pas capable de te la réciter. Mais non ! Je te promets. Aleph, Bet, Gimel, Dalet ! Non, je vais pas te faire tout ça, là. Aleph, Bet. Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Tu sais plus après Zay ? Non, je sais plus, parce que ma fille, elle a 6 ans, elle commence. Raf, j'ai du mal après, j'ai oublié. Dalet, A, B, C, D, F. Mais non, mais en hébreu ! Vas-y, Fred, t'es toute kafraf, la men... Shen, Sofit, sa mère, Hain, Pefe, Sofit, Sadik, Sadik, Sofit. Koufresh, Shin, Sin. Sadik, Koufresh, Shin, Tav. Oh, bravo ! Combien d'années d'école juive ? Toute ma scolarité. En fait, c'est mon père, c'était le rabbin de la Seine. Enfin, c'est toujours le rabbin de la Seine. Le Omar. Du coup, c'est lui qui m'a appris. Combien d'années il faut pour se convertir au judaïsme ? On nous dit toujours, ça dure longtemps, genre 7 ans, 10 ans, mais j'ai vu plein de gens, 4 ans, c'était fait. Vav, Zayin, Khet, Tête. Il faut à minima 7 ans. Si t'as un parent qui est juif, je crois que tu diminues la conversion, si je dis pas de bêtises. Ça dépend les courants, ça dépend les pays. 2 ans ? Non, plus 7 ans. 7 ans ? Je crois. Sur quoi tu te bases ? Bah, des expériences d'amis à moi. Tu sais qu'en Israël, ça peut prendre une année. En moyenne, c'est 7 ans. Ok. Ouais, c'est pas ça ? 7 ans au consistoire. 7 ans au consistoire. Est-ce que tu connais les engagements d'un homme envers sa femme dans la Ketouba ? La fidélité, je suppose. La chérir. De la nourrir. Qui doit nous m'habiller. De la loger. J'ai retenu que m'habiller, c'est tout. Tous les matins, il t'habille ? Non, je veux qu'il me paye les vêtements. Tu dois aussi la contenter, lui faire plaisir. Mais moi, je veux faire l'amour ! Lui acheter des bonnes casseroles pour qu'elle fasse la cuisine. La rendre joyeuse. La rendre plus que joyeuse. Et de subvenir à ses besoins. Et si toi, tu devais ajouter un autre engagement dans la Ketouba, ça serait lequel ? Qu'il fasse à manger. Ah ouais ? Ouais, ce serait bien. Je m'emmène en voyage une fois par mois. La faire kiffer. Si tu devais en inventer un quatrième, ça serait quoi ? J'allais dire étendre le linge, mais il le fait déjà. Un peu d'aide à la maison, ça fait pas de mal. À la rendre heureuse. Il n'y a que ça. Lui sourire en rentrant du travail. Il y en a un qui a tout compris. Oh, oh c'est bien ça. Oh, Djoubaz,